Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à regarder ce qui a précédé l'ouverture du coffre. C'était un rush pour monter en arène 7. Et à la fin du rush, j'ai surpris les viewers en ouvrant un coffre super magique. Et c'est la séquence que vous allez voir juste maintenant. Alors, messieurs, puisque vous êtes très attentifs et que la dernière fois, j'ai eu de la chance quand j'ai ouvert quelque chose en live, donc je vais réouvrir en live un super coffre magique pour voir si on peut choper les cartes qui sont en arène 7, donc qui sont le géant royal, que j'ai vu personne jouer avec, tout simplement. Par contre, les trois mousquetaires qui sont très très puissantes, le prince ténébreux et bien sûr la princesse qui se cache à cet endroit-là. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tu es prête? Tu es prêt? Tout le monde est prêt? Prêt. C'est parti. $4136. C'est pas mal. Pas mal. Géant royal, ça c'est fait. 98 en plus, je pense que je peux le... Je pense que je peux l'améliorer un petit peu là. 301 cartes de barbare, on va aller assez loin avec ça, mais bon, c'est pas grave. Oh, oh là là là, attendez, attendez, hop. J'ai besoin de prendre un petit screenshot de ça. Elle vous plaît la musique ou pas? Tête de con. Bon, Prince Ténébreux, j'ai hâte de le tester, franchement, honnêtement. Le géant squelette. On peut faire quelque chose avec ça. Cabanes de barbares. C'est pas mal. Oh. Oh. Un autre screenshot pour ça. Ça vaut quand même le coup. Et la dernière. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que on va taper la princesse? Ah non, c'est juste le golem. Bon, dommage. On s'en sort pas trop mal quand même. Avec 3... combien de cartes? Ah, il me reste plus qu'une seule carte à débloquer dans le jeu. Ah, il est beau lui. Il est beau. J'aime bien le prince ténébreux. Je pense que les trois mousquetaires, faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. Parce que 10 d'élixir, tu te rends compte un peu? Tu attends que ton jeu se charge complètement juste pour ça, quoi. Merci, Cannes. Je te souhaite la même chose. Je me mets un coup de canne dans mon iPad si t'es la princesse. Un petit moment. Qu'est-ce que vous racontez d'autre? Non, ouais. Pas la princesse quand même. Musique maestro. C'est vraiment nawak. Salut Malik. C'est juste que vous me supportez plutôt pas mal sur ça. Là, le géant royal, qu'est-ce qu'il fait? 1200 points de vie et il tire de loin, c'est ça en fait. Son énorme canon pointé sur les bâtiments ennemis, le géant royal charge comme une boule de démolition. Il a une belle tête, je trouve. Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que le prince ténébreux. Le prince ténébreux, lui, il vise pas que les bâtiments. Ça, le problème. Bonne nuit, Faisal. Ah, je sais pas si je peux l'utiliser. Qui c'est qui l'avait dans le jeu? Je crois que FreeSwap.